les regrets, c'est l'entame de match. On fait une bonne entame de match. Malheureusement, on n'est pas efficace. Voilà, ça peut faire 2-0 au bout d'un quart d'heure, voire 3. Et le problème, c'est que ça fait 15-0. Et puis, sur la blessure de Ruben, on défend très très mal sur la égalisation. On se livre bêtement et on se fait punir. Après, ça a été... Même si on a eu la possession, dans les contres, ils ont été beaucoup plus efficaces que nous. Ils ont 4 situations et ils nous plantent 4 buts. Et même en deuxième mi-temps, on a eu des situations et on n'a pas été efficace offensivement. Et puis prendre 9 buts dans la semaine, voilà. Ce qui n'a pas été bon. Les gars, on fait tout pour que les joueurs soient en pleine forme. Après, bien sûr qu'il y a des joueurs qui s'entraînent moins, qui ont du mal à répéter les efforts aujourd'hui. Mais bon, à un moment donné, quand Ruben il se blesse, je fais entrer le petit Suarez. C'est pas la faute de Suarez qu'on perd le match. Hein. C'est la faute du collectif. Il faut être efficace au football. Parce que sur le troisième but qu'on prend, il y a beaucoup d'erreurs de la part de tout le monde. Sur le pénalty qu'on concède, il y a beaucoup d'erreurs de la part de tout le monde. Voilà, il faut être beaucoup plus efficace. On a été inefficace offensivement et inefficace défensivement. Voilà, il faut se remettre en question et c'est tout. Je pense que non, mais malheureusement, quand Ruben se blesse, j'avais pris dans le groupe et on me dit qu'il est capable de jouer. Il s'entraînait avec nous. Il était apte à jouer. Hein. Au niveau médical, au niveau de la cicatrice, ça avait bien cicatrisé. Au niveau des séances, il les a faites avec nous. Hein. Il a fait des bonnes choses. Après, c'est le problème, c'est qu'on a pris 4, on a perdu 4-2, les gars. Je ne vais pas parler individuellement des joueurs. On a été mauvais. Il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question. Et moi, le premier, parce que j'ai fait des mauvaises choix aussi, peut-être. Tout simplement.